Vous êtes où? Ouais, moi je veux voir ça. T'appuies sur quoi et tu regardes la map? Ouais, Wizard parfait. C'est Expense. exactement l'endroit où je vais. On va se Sixième. retrouver là-bas. Et là, je suis à Frost quelque chose là. La Longcast? Je crois que c'est là où je me déploie. Je me déploie. Ah, je me déploie Moi. une ville à côté comme ça, J'ai pas fait gaffe, mais ils ont repris ta main pool. Je suis deuxième joueur au déploiement. Oui, c'est blue and fresh. Même pour aller à. Comment je peux choper une arme là? Ouais, ça marche. Ça remplit. Ouais, je suis toujours deuxième dans une file de tente, j'attends encore. Je me sens tellement useless dans ce truc. Mais t'inquiète, t'inquiète, évite juste de crever, parce que sinon tu vas encore poireauter pendant 25 ans. Et tu peux mettre un marqueur pour rejoindre un endroit? Je vais me faire rien, attends, lâche-moi le plus si tu veux. Y a pas de marqueur. Y a pas de marqueur Ah, regarde, personnel écoute, en fait. il est en train de faire des Ouais, trucs là. comme ça, les marqueurs c'est surtout pour les mecs qui En fait, veulent de les la marqueurs, logique. c'est par exemple, t'as le front, il a besoin de quelque chose et il précise qu'il a besoin de quelque chose. T'as de la logique qui se déplace et la croisée des partisans elle s'est fait défoncer. Oui, Et ben elle précise là où elle est partout, morte. J'ai jamais pu dire ça un jour, mais quand même. Il y a de la queue partout. Je sais pas pourquoi il y a autant de queues aujourd'hui, pourtant. Non, mais à mon avis, je suis toujours deuxième dans une file d'attente, mais. La même province. Et ah non, il va pas mourir. Il y a des endroits où se ravitailler là, parce que tout à l'heure c'était assez évident, il y avait un. Alors c'est simple, l'endroit où t'as spawn, normalement t'as du ravitaillement derrière toi, l'endroit où tu spawns. Ouais, il y avait rien en termes d'armes et de machin. T'avais rien en termes d'armes, ben, tu regardes sur ta map, t'appuies sur M, tu regardes sur ta map et tu check là où il y a des bunkers, des encampments. Des tonnes de et sur ta map, en passant la souris sur les encampements, les bunkers, tout ça, tu vas voir ce qu'ils ont dedans en fait. Ah non. Et tu peux voir là où il y a des armes, là où il y a des mules, là où il y a. Oh, c'est bon, je suis arrivé! Pardon. Je suis là. Ok, t'es où? Putain, mais pourquoi je suis sur le toit du truc? Ouais, ça arrive. Ouais, y a pas un truc où on peut voir la position de nos alliés là? Avec le brouillard de guerre, tu y vas pas des fois. T'es près de quoi désormais, Javelot? Là, je suis vraiment. Genre, tu vois Frost Marsh? Ouais, je suis à Frost Marsh aussi. Vas-y, je suis à la relique base de Frost Marsh, je reste devant. Je l'envoie sur Star de Fer. Je pense que c'est un peu un front ici, donc c'est chaud. Mais surtout un front, il y a absolument pas d'armes, moi c'est un front qui me fait flipper. Bah en fait, je pense que c'est un front qu'on vient de récupérer. On a quoi? On a des munitions d'artillerie, de mortier, à Crozenay, dans le bunker au front. Bon, on a du fusil, on n'a pas beaucoup, on a quasiment rien, on n'a pas de munitions au front. Oh putain, c'est horrible. Un encampement, je suis sur la route en direction du gros bâtiment de Frostmarsh. Ok, t'es sur la route, tu viens du nord, du sud? Toi, tu te diriges dans quelle direction? Tu vas vers le nord ou tu vas vers le sud? Je vais vers l'ouest en fait. Ok. Je suis à la croisée. Il y a des coordonnées ou pas? Il y a pas un truc où je peux te donner les coordonnées? Il y a un truc de coordonnées, mais. Là, je suis au carrefour. Ok, bah j'arrive au carrefour, bouge pas. Hop là. Salut Javelot! Salut, salut. Ok, nickel. Bon. Il faut trouver maintenant de la munition. Soit on part sur un objectif où on va faire du front, mais comme il n'y a pas de munitions, il va falloir taper au pistolet et si on se fait tuer, bah, c'est baisé. Ouais. Soit on part sur un objectif. Voilà, ce clash que tu viens d'envoyer là, ça fait saisir. On pit qui est au-dessus et on fait de la logis et on a pris. Non, mais mec, au pire, aller chercher des trucs ici. Bah, ou sinon, aller chercher de camions et ramener surtout les obus d'artillerie qui sont dans le coin, parce que si on perd ça. Non, mais il y a 8 obus. Ah oui, bah justement. Non mais il y a toujours 8 obus. Des obus pas tirés, c'est du matos perdu. Ah, I like it. Du coup, quelle est l'idée là? Alors, les choix qui s'offrent à nous, c'est soit on reste et on fait le front et on évite de crever parce que on va mettre 2 minutes à respawn à chaque fois. Dans le meilleur des cas. Soit on prend un camion, ou on prend le mec qui a son camion, on lui dit ouais, t'es de la logis, on remonte avec lui, on va faire de la logis avec lui.
Et comme ça, on fait de la logis, on ramène du, on ramène du truc ici, des munitions, tout ça. La logis, par contre, le défaut, c'est que c'est un peu lent, ça prend du temps. On avait une opération qui était en cours, mais la zone où on doit la mettre en place, c'est un peu dans la merde. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait des zones où il y ait des, comment ça s'appelle, des combats. Là, les points verts là qu'on a sur la carte et les points bleus, c'est quoi? Alors bleu, les points, c'est les infanteries, c'est les soldats. Ok. Les triangles, c'est les véhicules, tout simplement. Ok. Les carrés, mais tu sais, en mode losange, c'est les structures. Mais c'est pas les structures importantes, c'est les tours de guet, c'est... Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont en train de prendre Unstone là, Unsfor là. Ils sont en train de prendre Unsfor là, à l'est. Bah, ils sont en train d'attaquer. Vas-y, on va les aider. Pas moyen d'aller récupérer des trucs, des armes là-bas. Ils sont en train d'attaquer. Sur quel grand... Unsfor. Quel grand hexagone? Unsfor. Non, le grand hexagone. La grosse zone, c'est tu le même que nous, c'est Wizard Expense. Ok. Non, en vrai, c'est pas loin chez nous là. Unsforce, en fait, Unsforce, c'est pas chez nous. Comment on va chez les ennemis? Donc si on y va en... Mais regarde, il y a plein de bleus là, il y a plein de bleus et pas beaucoup de verts, on peut les poutrer, ils sont en train de les attaquer là. Ouais. Ils ont complètement encerclé l'endroit, on va aller récupérer des armes et tout là-bas. Ah, ouais, bah en fait là tu vois Crow's Nest, sur la map il vient de passer blanc, ça veut dire qu'on se fait attaquer à Crow's Nest. on peut aller défendre à Crow's Nest si tu veux. Par contre ouais, on a juste un petit pétoir quoi. Ouais, bah le pétoir on peut... Il fait autant de dégâts que le fusil de base, il tire moins loin. Il tire moins précis. Donc c'est parti, on va au front et on essaye de pas crever parce que si on crève, c'est la mort. J'avoue, dis-toi que maintenant, en tant que Warden, on est passé trop dans l'art de taper l'ennemi sans flingue. Genre sans matos, maintenant on connaît, hein. Les chars. Attention, décale-toi, mets-toi à gauche sur la route, y'a un camion qui arrive. Continue d'avancer, t'inquiète, il va pas se pas de voir des tonneaux. C'est bon, il est pas venu sur notre chemin. 4 chars devant toi. Ça se fait. Ils ont pas de chars lourds chez les colons, qu'est-ce qu'ils disent n'importe quoi? Non, mais j'ai dit 4 chars, on s'en fout du char en question, tant qu'il y a du blindé. Non, il y a un panneau sur le chemin qui disait char lourd. Bah oui, ils en ont. Non, ils ont que du char moyen et du chasseur de chars, ils ont pas de char lourd, si. Je crois qu'ils en ont. Le gros char lourd, c'est le Storm Cannon, enfin c'est le Storm Char, quoi. Oui, il y a le Silver Hand, mais ça c'est le... Silver Hand, c'est chez nous, ça. C'est à gauche, le front. Ils volent le matos, hein. Ouais, faut faire attention si tu fais le tour, si on se retrouve isolé, qu'on se fait choper par du mec qui a de la 12-7, c'est fini. Et oublie pas, on n'est pas invincible, hein. 2 ou 3 balles, on est fini. Hein. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. On n'est pas dans un bon gros jeu de guerre, là. Enfin, on n'est pas dans un bon gros jeu à la Battlefield, ce genre de choses, fais vraiment attention. Ah oui, petit tips, si tu ne savais pas encore, quand tu vises avec ton clic droit, ouais, t'as une petite croix blanche qui se rapproche, et plus elle se rapproche, c'est ton viseur en fait, tout simplement. La plus elle se rapproche, plus tu vises précisément. Aussi. Et la ligne blanche, c'est ta portée. Donc pourquoi tu l'as pas avec le flingue? Si, tu l'as, regarde. C'est quatre petits traits qui se rapprochent petit à petit du point du centre. Ah oui, mais c'est parce que t'avais pas chargé. J'avais pas chargé mon arme. Ouais, parce que tu commences, ton arme elle est pas chargée. Donc vas-y, explique-moi, pardon, je t'ai coupé. Ok, je t'explique le système de visée. En gros, la ligne blanche, c'est la distance à laquelle tu vas tirer. Quand tu es hors de portée, c'est-à-dire que tu tires là un endroit où tu vas pas, tu vas faire moins de dégâts. Jusqu'à 0 dégâts, tu peux faire 0 dégâts. Le mec il peut se prendre une balle et ça fait 0 dégâts tout simplement. Tant que la ligne elle est blanche, c'est bon. Tant que t'es dans ta ligne de vue, c'est bon. Et tant qu'elle est blanche et que tu la vois la ligne, c'est bon, tu peux tirer. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as la petite croix là qui te permet de le viser. Et t'as aussi une ligne jaune qui est au bout de ta ligne blanche. Et en fait, elle gère la hauteur. Donc, le point rouge qui est en dessous de la ligne jaune, c'est l'endroit, l'accroche, on va dire, au niveau du sol. Donc, ouais, par exemple, là, si tu vises l'estrade à notre gauche, ben, tu vas voir le point rouge, il va pas être tout en bas
à nos pieds, mais il va être au niveau du truc, tu vois. Et la ligne jaune, c'est la hauteur de laquelle on tire. Donc faut toujours vérifier ces trois paramètres quand tu tires. Bon, et d'instant, dès que la ligne est rouge, c'est que tu veux pas tirer dessus, quoi. Ouais, bah, si la ligne est rouge, c'est soit tu es en train de tirer sur un allié, soit... Viens dans le buisson. Là, tu vois, il y a un mec dans le bâtiment. Tu pourras pas tirer, en fait. Il y a des mecs dans les bâtiments. Je sais pas si c'est de l'allié ou de l'ennemi, parce que je vois que le mec, il tire en face, et qu'en face, j'arrive pas à voir les pseudos. Et tant qu'on est dans le buisson, bouge de là, le gaz, hein, on a pas de masque à gaz, faut faire attention. Il nous voit pas. On nous tire dessus, là. Hein. Je sais pas pourquoi il nous tire dessus. En face, attention, dans la tranchée. Dans la tranchée, en face, il y a un mec. Donc faut faire très attention. Dans les buissons, on nous voit pas. C'est pour ça que c'est l'avantage du buisson. Et parfois, on te voit. Le jeu est pas toujours... Ouais, s'ils sont assez proches de toi, on peut te voir. Donc là, faut faire vraiment attention aux mecs qui sont... Vas-y, bouge pas. J'essaie de leur tirer dessus. Attention quand tu sors. Ok, on les prend en contrôle. On les prend de haut. Hop. Fais attention à pas te prendre une balle. Hein. Si tu te prends une balle et que tu crèves, tu vas mettre tellement de temps à revenir. Attention, ils font le tour. Reviens. Ils ont envoyé du gaz. Retourne dans les buissons pour qu'on se cache. Attends, mais on va se décaler par là parce qu'ils vont pas nous attendre là-bas sinon. Si on se décale trop du front, t'inquiète, je t'ai suivi. Si on se décale trop du front, on risque de se faire prendre. Oh, c'était bien les ennemis là-haut. On avait une bonne position d'en haut, mais dommage qu'on ait pas de fusil. Bah, le problème, c'est même si on a un fusil ou pas, le problème, c'est qu'ils sont très nombreux et ils ont du gaz, on n'a pas de masque à gaz, ils ont de la grenade, on n'a pas de grenade, on n'a rien pour ça. Ça arrive sur nous. Ouais. Reste caché dans la, dans la maison. Je suis blessé. T'inquiète. Tiens, on peut descendre par là. Le saignement, ça va te faire mourir au bout d'un moment. Je suis désolé, j'ai rien pour te soigner. Le saignement est bien entendu marqué par une sorte de petite goutte de sang rouge. Goutte de sang sous ta barre d'endurance. Évite de trop reculer pour pas qu'on aille trop loin. Donc faut soit que tu trouves un médic, soit tous les cas, ils vont nous suivre selon les traces dans la neige. Donc il faut faire attention. C'est un allié ou un ennemi ça? C'est un ennemi, il a pas de nom. Tiens le dessus, fais attention à pas rester devant moi. Ouais. Les ennemis, tu vois leur pseudo rouge quand ils sont vraiment très... Ben, ils saignent. J'ai plus qu'une balle. J'ai plus de cartouche, à faire que tu l'ailles. Ah, je suis tombé. Ah putain, t'es tombé. J'ai tenté de l'avoir à la main. Parce que j'ai peut-être des munitions, prends mon truc là. Je suis déjà trop loin. Ouais, En fait, je suis en train de le courser. C'est ridicule. Parce qu'il a déjà dépensé un chargeur complet. Là du coup je peux spawn, c'est ça? À nearest home base. Ah putain, je suis mort. J'ai été eu. Ah bah moi... Bah, du coup je suis obligé de spawn à nearest safe house ou... Ouais. Ouais. No spawn point with supplies. Ah putain. Nearest safe house. Oh putain de merde. On est obligé d'aller à la home base. Home région. Ouais, ce qui fait qu'on est obligé de réattendre. C'est le problème de ce soir là, il y a un problème de... Non mais c'est le problème de la fin de guerre, on m'a dit. Ouais, problème de fin de guerre, je pense que aujourd'hui, demain, faut abandonner la guerre, on reprendra de bons pieds plus tard. Bah perso, je vais voir pour spawn un Stone Cradle là. Mais non mais ils sont à 18 sur 19, ils ont une zone à prendre chez nous, et ils ont fini. Ah oui d'accord. La guerre, d'accord, donc en fait si ça se trouve, on va même avoir la fin de la partie... En attendant, je peux vous présenter les trucs, si vous voulez, sur les tutos. D'accord, donc en fait, grossièrement, on attend, genre à la fin de la soirée, quoi, et grossièrement, on a perdu, quoi. Mais on a perdu, là. On a perdu. Il y a trop de joueurs, on n'a pas assez de supplies, et on se fait totalement wipe. On aurait dû partir en vrai, tous les mecs qui se connectent, il faut qu'ils se connectent immédiatement en logis, qui ramènent de la supplies dans boucle. Mais c'est fini. Ouais, faut ramener le camion après. Ouais, faut ramener le camion avec le partisan. Dans ton camion, t'étais 8. T'es 8 mecs dans le camion et tout. Putain, oui, d'accord, c'est un bus londonien, les bus dont tu me parlais en fait. Ouais, Et ben, comme on réfléchissait là, on disait la guerre est perdue. En gros, la guerre elle est perdue au moment où. Enfin, un des camps gagne la guerre au moment où il récupère 19 hexagones. Là en face ils en sont à 18, voire pas 19, mais ils ont juste à récupérer une zone et ils en ont 19. Les hexagones, pas les hexagones.
c'est des petites zones qu'on a récupérées. Non, c'est des drapeaux. Ah, c'est les drapeaux. Ah oui. Ah ok, c'est les drapeaux. C'est... Ils ont quasiment gagné. Ah. 19 drapeaux pour win. Ils ont quasiment gagné, ils sont à 18. Ils sont en train de nous récupérer Stone Cradle où il y en a un de drapeau. Donc moi je proposais que je fasse un petit tuto. Tuto artillerie, véhicule, production, tout ça là, pour tous ceux qui ont des lacunes. Petite formation comme ils disaient sur le serveur Discord Foxhole. Donc si t'as des lacunes ou quoi que ce soit, comment? Moi je viens de débarquer donc... Tu viens de débarquer? T'as respawn? T'as réussi à respawn? Ouais. T'es au front? Non, je suis à l'home base je crois. Non, il vient de débarquer dans le sens où il vient d'acheter le jeu. Ça. Eh bah ben, c'est à la home base, t'as des zones tuto on va dire. C'est ça. Donc essayons de nous retrouver là où on était tout à l'heure à la zone tuto, je cherchais le mec Noah là. Les gars, quand... Comme ça, on se retrouve là où, bah, là où je t'ai engagé. Là où tu m'as engagé, alors je sais pas du tout, je connais pas du tout cette map en fait. Bah t'inquiète, t'as la carte. Ouais. Tu vois sur la map, quand t'appuies sur M, t'as un truc qui s'appelle basique. Je t'entends pas du tout quand ils parlent en même temps les mecs. Ah ok, t'as des mecs qui parlent sur le jeu en même temps. Dans le jeu ou dans le Discord? Le jeu. De jeu, parce que Discord on est 4 là. Ouais, d'accord. Le jeu est moins intéressant quand t'as pas le vote Kalim. Ouais, il suffit juste que tu baisses le son de ton voilà, PC. C'est bon, je savais pas que c'était le jeu, je croyais que c'était le Discord, mais je me suis dit les mecs ils sont quand même. Non, c'est le jeu que tu baisses. Non, c'est le jeu, t'inquiète. On est vraiment très peu nombreux sur le Discord. On est 15 maintenant. On est super fiers, on est 15 avec vous deux qui viennent d'arriver. Donc, au sud, je dirais, hein, c'est ça, c'est le sud. Ah oui, c'est au la sud. Il y a Logic Training, Basic Training, je sais pas quoi. Bah, on se retrouve au croisement qui se croise entre Logic et Basic Training. Comme ça, je t'explique un peu tout. Tout ce que tu penses avoir des lacunes dedans, je vais t'expliquer parce que je pense sans doute que je connais déjà. Il y a des choses que je connais pas, bien sûr, mais il y a des choses que je connais pas mal. Donc, si je peux t'aider à partager mes connaissances. Yes, bah je pense que je suis arrivé au croisement. Moi j'arrive parce que j'étais parti dans le mauvais sens à la base. Oui, ça c'est un truc que si tu joues avec moi tu vas te rendre compte très vite. Je peux échanger tes cours contre des cours d'orientation si tu veux. Ah voilà, j'ai une orientation à la ZUB. T'es où? Je suis arrivé. Je suis là. T'es bien au niveau des panneaux, il y a un panneau sur ta... vraiment au niveau du croisement. Il y a un panneau à l'est qui dit Basic Training et à l'ouest qui dit Logic Training. Donc... Et sur le panneau à l'est, à l'est t'as marqué Press E to read the thing. Ou pas? Ouais, bah, mets-toi à l'entrée de Basic Training si tu veux. Ok, je vais à l'entrée de Basic Training. Parce que techniquement on est censé tous être sur le même... Je suis devant le panneau. Je suis devant le panneau où il y a rien marqué dessus, et il y a marqué read, enfin tu presses E to read about basic control. Devant la pancarte, il y a même un camion plat avec Shiva-san qui est dedans. Bah on n'est peut-être pas sur le même, c'est bizarre quand même. Non, il n'y a qu'un seul serveur si on était sur le même serveur avant. Est-ce que sur la map, t'es sur l'icône basic training? Ouais. C'est chelou. Mais t'es là? Je te vois, non, c'est pas toi là? Où ça? Attends, arrête de courir! Arrête de courir, je remonte, je redescends, je bouge plus. Bah non, moi je te vois courir encore. Enfin, je sais pas si c'est toi ou pas. Ah, c'est pas lui alors. C'est pas moi, j'ai arrêté de courir. Non, mais moi je suis vraiment devant la panne. Enfin, regarde, je t'envoie un screen. Oh, je vais te l'envoyer, je te l'envoie directement. C'est qui? C'est Rip. Ouais, tu peux l'envoyer dans le général, t'inquiète. Je peux l'envoyer en privé, dans le général, on s'en fout. Je te l'envoie en privé, et puis je t'envoie même... Je t'envoie même ma position sur la map. What? C'est chelou, j'étais exactement là. Est-ce que par hasard, ils auraient fait une mise à jour où ils mettent multiples serveurs sur ces zones-là? Ouais, je suis exactement au même endroit que toi. Si je t'envoie un screen, je suis là. Ah, non, si t'es à Basic Training, ça veut pas être ailleurs. Il y a que là, c'est écrit, quoi. Attends, je vais excite le game et revenir.
pour voir si je peux revenir dans le même endroit que toi. Moi, il y a écrit Homme Région WB-6. On joue la map. Oui, je vais checker. Ouais, Homme Région WB-6. C'est là où je suis. Donc, j'arrive, bouge pas. Effectivement, on est effectivement très bon niveau ravitaillement. En fait, je pensais qu'on pouvait passer ce problème, mais si effectivement on est si bas niveau ravitaillement. On est fini. Putain, oui, je pensais pas que ça avait autant changé depuis ce midi, quoi. C'est bon! Enfin, putain! Yeah. Tu vois, j'étais bien ici. Hein. Ouais, moi aussi, j'étais là. C'est ça le fou. Devait y avoir sans doute un bug. Non, en attendant, je vais t'inviter à venir dans la squad beau lapin là, comme ça, ça va être plus simple. À droite, t'as une zone avec les petits carrés grisés là, avec les squads, ouais. Et tu cherches ta squad beau lapin dedans. Oh shit! Ah, en plus, c'est écrit. Et c'est chef qui va devoir t'accepter par contre, parce que je suis plus le chef de squad. Ah ouais. Beau lapin. Y'a pas d'ordre alphabétique. Normalement c'est dans celles du haut, dans celles qui sont privées, si je peux te faire. Parce que comme je suis rentré dans cette squad dès le début du jeu, j'ai pas changé de squad depuis le début, donc je sais plus très bien comment fonctionne l'écran des squads. Attends, si tu veux je crée une nouvelle squad. Je vais créer une nouvelle squad, ce sera plus simple. Ouais mais ça. Mais directement j'étais. Y'a un char. Un char, attention, y'a un char. Squad, je vais l'appeler GTIA. Il y a training, un camion, c'est avec le bâton. GTIA train. Voilà. Bon. Je l'ai mis en ouvert. Y'a un autre char. Nickel, voilà, t'es rentré. Salut. Ah oui, petit tips. Quand t'es in-game. Maintenant, je te vois en orange. Ouais. Attends, je vais la lock. Je vais la lock comme ça et on évite d'avoir de nouveaux joueurs qui viennent. Donc, petit tips, quand t'es in-game, t'appuies sur G pour parler que avec les mecs de ta squad. Ça peut être utile. Allô, par exemple quand tu. Ouais, je t'entends. Et en plus, tu peux parler toute distance. Ouais, et c'est toute distance. C'est-à-dire que là, je suis hors de l'écran, tu me vois plus. Et je te parle quand même par la squad. Ah, mais c'est magique avec la technologie. Et c'est très très utile pour les gars qui font de l'artillerie par exemple. Ouais. Un mec au front, un mec derrière, et des mecs derrière qui sont à la squad, et puis ça fait. Ça gère et ça permet d'arranger le truc. Qu'est-ce qu'il y a dans l'encampement? Il y a du fusil dans l'encampement, on va récupérer du fusil. Viens donc récupérer un petit peu de fusil, mon ami. Ça là-bas? Ouais, viens où je suis. Normalement, tu vois une petite flèche sur ta boussole. Les chars se sont cassés. Retourne au début du basic training, on va récupérer des fusils, comme ça on va trainer un peu le fusil. Ouais, dans le camp, t'as un fusil. Prends le argenti, le Lauscaster, pardon, l'argenti c'est le colon. Prends le Lauscaster et les 7,62mm qui vont ensemble. Ouais, ça j'avais déjà pu m'amuser avec ce truc-là. Comme ça, j'ai mon premier kill. Voilà, donc tu remarques déjà que t'es obligé de désassembler à chaque fois que tu récupères dans le truc. Ouais, mais du coup t'as besoin de enfin tu vois genre un truc de munitions, c'est combien de munitions Alors un truc de munitions c'est un chargeur complet d'une arme, ouais, donc si ton arme elle a un chargeur de 1 bah ça sera une munition. Oui d'accord, si tu le vois dans ton arme sur l'arme, d'accord, c'est tout. Ouais, exactement. Ouais. Parce que par exemple si je prends l'exemple des SMG des deux camps, t'as la Malone pour les Warden c'est 125 mun et le set des colons c'est 75. Et c'est un chargeur de 12-7. C'est pour ça que parfois, genre, tu peux comparer sur le wiki par exemple. Tu peux voir que sur une partie, l'arme coûte moins cher, le paquet de munitions, il y en a plus et tout. Mais en réalité, dans la munition, t'as 75 munitions alors qu'en face, t'en as 125 chez nous, tu vois, par exemple. Ouais. Pour ça, il faut faire attention, t'as beaucoup de subtilités. Bien, on va faire le training. Bon bah c'est super simple, hein, le training c'est vraiment le truc de base, donc espace pour passer par au-dessus, tranquille ou bilou, il y a du dégât de chute donc faut faire attention. Ensuite ici... Tu vois pas ta barre de vie, t'as qu'une barre de stamina là. Ouais, tu vois pas la barre de vie, bah c'est comme dans la réalité hein.
Non, tu l'as pas vu, tu le vois sur l'apparence de ton perso. Bien ta barre de stamina, en gros, compte. Ouais. Dans la réalité, tu sais bien quand t'es essoufflé. Par contre, quand t'es sur le point de crever, souvent tu. T'as un coup d'adrénaline, donc tu le sens pas super. Donc les échelles, hein, c'est pareil qu'avant, c'est super simple. Alors, juste un petit truc que j'ai remarqué, c'est juste quand t'appuies sur espace, parfois quand t'es dans une tranchée, il aura du mal à détecter le jeu que t'es en train de tenter de monter. Donc parfois il faut se décaler un peu quand t'arrives pas à monter, c'est normal. Alors je sais pas comment tu fais depuis tout à l'heure pour monter les échelles, mais tu peux appuyer sur espace ou sur E si je dis pas de bêtises. Tu peux faire les deux. Ça dépend, il te le propose. Et des fois que tu trouverais à la mer, tu peux faire Shift E pour accéder au pont. Donc, alors maintenant qu'on est là, c'est super simple. C pour s'accroupir, X pour s'allonger. J'ai compris aussi. C'est super simple, et puis là c'est la visée comme je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que plus ta croix est proche, mieux tu vises. Donc là par exemple, tirer pile poil dans le cœur, pile poil dans la tête, c'est super simple. Si d'un coup je mets à bouger mon fusil dans tous les sens et que je tire, je tire un peu n'importe où. T'es quand même vachement plus précis accroupi. Ouais, quand t'es accroupi ou quand t'es allongé, t'es vachement plus précis. Le truc c'est que ton champ de vision diminue quand tu t'accroupis et tu t'allonges. Et oui. En même temps, tu peux pas tirer très très haut. Parce que bah, c'est normal, hein, t'es accroupi, t'es allongé, tu peux pas tirer super haut quoi. En vrai, il augmente le champ de vision quand t'es accroupi et allongé. Tu peux voir aussi que dans ce champ, que ici spécifiquement, la stabilité de ton arme avec un graphique sur la gauche de ton écran. Donc une espèce de graphique vert là. Et ouais. Plus c'est blanc, plus t'es stable, plus c'est vert, moins t'es stable tout simplement. Donc si tu secoues ton arme comme je fais actuellement, et ben ton truc est tout vert. Mais si tu restes à rester bien précis, à bien viser, hop, tu vas voir qu'avec ta petite croix, ça va se fermer. Et tu vas pouvoir viser tranquillou et bien toucher. Alors c'est à gauche. À gauche c'est la stabilité de ton arme. Et sur une arme à multi-coups comme ça, sur une mitraillette. T'as compris, un fusil mitrailleur, ta stabilité baisse. En gros, la stabilité, c'est ta précision. Ok. Fais attention à pas faire de friendly fire. Tu peux être bloqué d'utiliser des armes. Non, t'inquiète, non. Ça m'est arrivé. T'avais un peu abusé à mortier sur un camion. Putain, le camion, il bloquait la route sur le training. Forcément que j'allais le faire sauter au mortier. C'est pas de ma faute, c'était un camion rembourré. En vrai, tu peux. Le Tinty, bon, c'est pas. Vaut mieux pas en faire, mais t'auras pas de gros problèmes. Si tu fais un team kill ou deux, t'auras pas de malus. Genre, si tu butes 5 mecs à cause de l'artillerie, c'est normal. Hein. Oui, faut juste faire attention. Ouais. Faire de la totale, genre, tu vas pas détruire une escouade complète à l'AMG. Ouais, on continue d'avancer, on va voir un peu la partie suivante. Surtout parce que... C'est quoi ces armes là? Bah, teste tout ce que tu veux, pour l'instant on est tranquille, on a tout le temps. Bah, tu regardes l'arme, tu passes dessus, quand tu passes ta souris sur le nom, tu vois fusil d'assaut, t'attires de la 792 ici, la Alto Rifle. Ici on a du Clancy Rasa M4, donc c'est un sniper, ça tire du 8.5. Et souvent, quand tu seras au front, quand la logis, tu vas leur dire, ouais, je veux de la 8.5, je veux de la 7.62, de la 7.92, de la 9. Et en fait, tout ça, c'est tu demandes un calibre de munitions. Donc si tu retiens assez vite à peu près à quoi correspondent les calibres des mules, ça va te faciliter la vie dans le game, et après, t'as vraiment pas besoin de les retenir. Mais c'est juste ça te facilite la vie si tu le retiens, tu vois. Un sniper. Alors sniper c'est soit 8.5 soit 13.5 je crois les mieux. C'est 8. Et c'est vraiment 8.5 le sniper. On pense pas qu'il y a du sniper à 13.5. Sinon c'est le fusil anti-char. Oh oui, le fusil anti-char, je pense que c'est du 13.5. On drop les objets là. Alors c'est super simple. Tab inventaire, clic droit, drop item. Et ça fait une petite caisse par terre. Évite de drop ton marteau parce qu'on va le garder, on va avoir besoin pour tout à l'heure. Bon, le marteau quand t'es au front tu t'en fous un peu. Oui, quand t'es au front le marteau tu t'en fous. Mais là comme on est en training, je vais te montrer un peu toutes les utilisations de construction avec le marteau, etc. Pour mortier pour pouvoir pilonner à plusieurs, et bah go. Je vous ramène du bimal.
Les clés de mortier, y'a pas juste la porte nord, vous avez. Ouais, tu vois beaucoup plus loin. Techniquement, je crois que t'as la même portée que. Je crois que ta portée est doublée à peu près, tu vois normalement jusqu'à 40 mètres, si je dis pas de conneries. 40-50 mètres. Ouais, c'est sympa ça. Et les jumelles, tu peux voir jusqu'à 100 mètres avec des jumelles par exemple. Et les jumelles qui sont très utilisées pour l'artillerie. Bon, là, t'as un mec qui essaye de tirer dessus. TDA, c'est un autre gros clan. FR. J'aime bien, je fais deux mails, je trouve un corps qui avec toutes les armes que je voulais. T'as des armes aussi qui t'alourdissent quand tu te déplaces, par exemple. Bon, les fusils, je pense pas, mais je crois que la Malone le fait, celle que t'avais tout à l'heure, la grosse mitraillette. Et le mortier, par exemple, le mortier portatif te ralentit de ouf. C'est pas utile de dire grenade au moment où elle est là. Ah oui. Ennemi. Entre nos grenades et les grenades ennemies. Par exemple, nos grenades à nous, elles peuvent rebondir et elles explosent pas à l'impact. Alors que les grenades ennemies, c'est des grenades allemandes de la Seconde Guerre mondiale qui explosent à l'impact. C'est le cas pour les frags, hein, pas les vermines. Oui, nos grenades frag. La Mammon, tu vas vite apprendre à l'adorer, la Mammon. La Mammon, ça touche, ça pète. Il y a un char à droite. Bon, là t'as un RPG, là t'as du mortier si je ne m'abuse. Non, c'est du RPG. Juste ça dépend du calibre. Le tripod, c'est quand t'as du matos, genre lance-grenade, grosse mitrailleuse. C'est pour poser la Malone par exemple. Voilà, enfin la Malone tu peux l'utiliser aussi. Au moins, ou taille un mur quand t'es bon. Ah, la Mammon. Ici, tu vas avoir ta meilleure amie. Ce que j'ai en main, mec, c'est ta meilleure amie pour toujours, la Mammon. Dans la petite case ici. Elle est utile contre l'infanterie, les chars, les véhicules. L'infanterie, les chars, les véhicules et les bâtiments. Et les ponts. Non, les ponts, mec, à 115 la Mammon. C'est un gros pont en acier, ça. Mais sur les petits ponts en bois, c'est 6 Mammon. De quoi? Ici t'as de la grenade. Il y a la harpa et après c'est la grenade à main, la Mammon, c'est ça? Ouais. La Mammon c'est je crois 16 pour le plus petit pont. Là on a la petite grenade à fragmentation qui est une grenade que seul le clan Warden a par exemple. Alors que la Mammon c'est les deux clans. Et là tu vois que tu la lances, ça explose. Par contre là je vais lancer la petite grenade. Elle est posée. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller où? Et là les clans. Alors, pour indication, la petite grenade ne fait pas sauter les bâtiments ni les véhicules. Elle est anti-personnelle. Hein. Alors que la Mammon, c'est... La fragmentation. Ouais, la frag, elle touche... C'est de l'anti-personnel, alors que la Mammon, la A-main, c'est de tout. Ça touche tout le monde, ça tue tout. Après, c'est les grenades à gaz, mais je doute qu'ils nous les fassent tester ici, à moins de nous mettre une immunité au gaz permanente. Puisque nos grenades à gaz peuvent tuer nos mecs. Donc, faut toujours faire attention. Oui. Faut qu'il y ait des mafias gaz pour ça. Pas lancer par-dessus là. Bah recule, clic droit, et tu vises et t'essayes de viser par-dessus. Ah, je pensais que t'essayais de jeter par-dessus le truc en bois à côté là. On a le mortier, on a les mortiers. Donc souvent, quand tu vas prendre un territoire, ce qui va se passer, c'est que soit t'as un blindé derrière qui a de la munition, des gros obus pour faire sauter un bâtiment. Soit tu fais sauter les bâtiments à coup de Mammon ou d'alligator charge ou de la satchel. C'est nouveau, c'est trop bien. Tu te souviens quand on disait 116 Mammon pour faire sauter un pont? La satchel, c'est deux. C'est deux ou trois. Voilà. C'est en gros des charges. Là, ce truc ici, c'était pour t'entraîner à t'accroupir. En fait, tu passais en dessous quand tu t'accroupissais. Et là, c'est debout et garder ma dignité. Et là, c'est tu passes en rampant en dessous. Ouais, c'est le parcours du combattant classique. Ouais, c'est le parcours du combattant classique. Hein. Les devs se sont pas, enfin, se sont inspirés de la réalité pour ça. Quoi. Medic, I have some stuff for you, I think. Ah oui. Hier, il y a eu un petit message sur le. Ou ce matin, non, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a un petit message sur le Discord français Foxball. L'écrit surtout.
qui demandait ce qu'on évite de faire du friendly fire sur les mecs qui parlent en anglais. Non, ah. Non, c'est pas ça. C'est en gros, il fait que pour la, surtout pour la logie, on parle plus en anglais sur le chat. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de français, mais les anglais, du coup, ils se font un peu exclure et ils comprennent rien. Non, non, il y a aussi des cas de mecs qui s'entretuent parce qu'il y a un côté qui parle anglais, l'autre côté qui parle français. C'est le même camp. C'est abruti. Oui, c'est... Machine gun lourde ici, machine gun lourde ici, et munitions. Donc, techniquement, on arrive à un moment où il faudra passer par de l'eau. Si j'ai pas de conneries. Oh. J'ai pris la machine gun et quelques munitions de la machine gun. Les gens. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne le res. Alors là t'as pris un trauma kit si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Tu peux pas l'utiliser si t'as pas de blood plasma. Ça sert à rien, t'as pris un truc inutile actuellement. Pas grave, et... je vais taper sur la tête du mec qui bat bien, il va sentir mieux. Et donc en fait le blood plasma qui est dans ce coffre ici, un blood plasma c'est une res, tout simplement. Dépose le truc par terre. Enfin, des bandages. Les bandages, c'est avec les first aid kits, donc le medikit qu'on survient. Pour res un mec. Et c'est pour. Cher. Si tu saignes, tu prends un mec avec du bandage sur lui, il va te soigner. Et il faut qu'il ait un medikit par contre, parce que si tu te bats avec du bandage sur toi, ça sert à rien. Si, ça sert. Si. En gros, tu bandages, tu peux te l'équiper. Si tu saignes, ça arrêtera son saignement, mais ça te soignera pas. Ça te soignera pas. Ok. Pas. Il y a que le ouais, y a que les medics donc avec leur first aid kit qui consommera des bandages normalement je crois qui peuvent te soigner complètement. Oui, ça consomme des bandages utilisés le mat pour te réanimer ça. Bon, ici là où on est, ça t'explique un peu la visibilité dans le jeu. Donc quand tu es en bâtiment, là tu vois, on voit pas l'intérieur du bâtiment, mais quand tu es dans le bâtiment, bah tu vois l'intérieur du bâtiment et tu vois l'extérieur aussi. Et mais par contre, par exemple de l'autre côté du mur, si tu voilà, là tu passes, je te vois plus. Voilà, c'est des trucs un petit peu comme ça. Alors, t'es parti à gauche? Bah, logis training. Bah, attends, je vais voir ce qu'il y a un peu en face, et puis je te dis, parce que je crois qu'il y a un passage à un moment où on passe dans l'eau, et c'est assez important qu'il faut que je t'explique un peu la mécanique de la flotte. Ouais, reviens par là. Attends, une seconde. T'inquiète, prends ton temps. Je pensais pas qu'il était nouveau. De quoi le machin, enfin, le nouveau Javelot, ouais, bah il a fait 5-6 kills. Enfin, il a fait 2-3 kills. Il y a du matos sur le front, j'ai récupéré une mitrailleuse lourde. C'est comme pour Noah, c'est un nouveau aussi. Ah, bon, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je fais un petit peu de la formation pour expliquer un peu ce que je fais. Enfin, de la formation, voilà. C'est je partage mes connaissances. Ouais. Ce journal présidentiel du mercredi 31 mars, nous restons à ce jour dans l'attente d'informations. Ah, t'as le truc de Jessie. Normalement, je passais mon BAFA là, la première semaine avec l'annonce d'hier. Je sais pas si je vais le passer. Surtout que j'ai payé juste avant l'annonce le BAFA. Ton BAFA? Ouais, je passe mon BAFA. Je vais faire des colos et du centre de loisirs. Pardon, tu me disais du coup. Reviens là où on était avant, vers la maison. Et on va faire le training avec la flotte. Ok, non, je crois que j'avais mon chat qui voulait rentrer chez moi. Attends. Ok. Alors, super important. Déjà, tu peux... Je sais pas si tu peux nager avec le truc, mais on va voir de toute façon. Viens, c'est par là. Et nager, c'est mortel. Vraiment. Dans ce jeu, ouais, enfin. tu nages que dans la nécessité de nager. Bon, ça, c'est un bateau, tu peux le construire avec ton marteau, c'est que ça après. Mais en gros, quand tu nages, tu vois ta barre d'endurance, dès le moment où tu es dans l'eau, elle va commencer à couler, enfin dès le moment où tu nages, elle va commencer à fondre et. Ah oui, d'accord. Et quand t'as plus d'endu, tu meurs. Alors, littéralement. Ça, et on peut pas récupérer ton. Nord-Ouest, alors qu'on attention, il y a des chars, attention en face, attention. Il y a des chars en face, attention. Et c'est pour ça que quand tu meurs dans l'eau, tu peux pas te défendre. Quand tu meurs, on peut pas récupérer ton équipement. Careful, chair on the way. Éviter de crever dans la flotte. Souvent quand on fait sauter les ponts, on peut passer par la flotte pour rejoindre l'autre côté du pont. Ça dépend du pont. Oui, ça dépend du pont. Mais c'est très dangereux et... Bon. C'était... Il y a une semaine ?
Avec Mal, on était sur un front. Enfin, Anakos, on tenait le front. Il y avait du blindé, on était en sous-nombre. Mais on tenait le front parce qu'on avait réussi à faire sauter le pont. Et à un moment, on était tellement bien qu'on pouvait avancer. On pouvait avancer, c'est-à-dire on était tellement en train de les péter, on pouvait avancer, on pouvait aller leur taper sur la gueule en fait. Oh, par chance il est pas lock, nickel. Tu vas pouvoir t'entraîner à la conduite. Mais oui, j'ai fait la course tout à l'heure là, mais là on peut pas sortir. Là on peut pas sortir, non, c'est juste pour que tu puisses découvrir le modèle du véhicule. D'ailleurs, j'en ajoute un truc pour quand tu... Donc il y a des débiles qui sont ramenés avec 5 ou 6 mammons sur eux, qui ont couru dans l'eau et qui sont morts comme des merdes, donc on pouvait pas récupérer ce qu'ils avaient sur eux. En gros, quand tu évite de rouler sur les gens, tu les one-shot. Hein. Dès le moment où tu roules sur quelqu'un, tu les one-shot, qui va être traduit, alors j'ai bien envie de... Et tu veux pas être raise quand tu t'es écrasé. Oui, tu as un tâche de chargement de dans ton inventaire. Seconde, je reviens au moment où le camion tangue. Mais il dit lui que pour nager, son endurance elle chute en changement. Ça va les gars, au calme. Allez, là c'est la Bézodrome les gars, c'est le Bézodrome. Ah ouais, là il prend cher. Elik. Ah, il est mort. Bon bah il est mort. Il y a pas de problème, il dit quand il est dans un endroit dangereux. What the fuck, le camion. C'est un bug qui arrive parfois, il faut que tu sortes et que je vise ta place. Non, c'est bon, c'est nickel. Ah bon, c'est les boys. Mais arrêtez de vous suicider, bande de lemmings là. Arrêtez de rouler sous les roues. Vous avez conduit le jeu. Oh non, base. On peut pas rentrer, je pense qu'il y a trop de gars. Putain, il est barbé de merde. Je vais checker par là s'il y a quelque chose. Oh, mais. Il y a rien. C'est le panneau qui explique. Ouais, juste les camions là. Ouais, là c'est le camion plat. Alors sur ce camion. La vie. Je sais pas où c'est. Bon, bref. Le camion plat, c'est très simple. C'est un camion sur lequel tu peux mettre un. Faites gaffe, les adversaires sont rentrés. En gros, tu peux mettre un conteneur qui peut porter, alors quand c'est très très utile pour emmener des véhicules blindés, de l'artillerie, tout ce qui est tourelle, tout ce qui est tourelle, tout ce qui est ressources. Par contre, ça transporte les ressources que sous forme de crates, et c'est que quand c'est dans un... Mais putain, tu vas vraiment me tuer. Non, ça va. Ça transporte les ressources que dans un conteneur. Donc par exemple là, si je vais dans l'inventaire du camion. Conrad, là. Si tu veux rentrer pour conduire, c'est de l'autre côté. Avant goûté mon stuff, j'ai kiffé. Ah, c'était ton stuff. Bah attends, tu veux le récupérer. Bref, tu veux le récupérer. Un conteneur derrière le camion, c'est pour ça que c'est un camion plat. Ça roule plus lentement. Je trouve que c'est une brique. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est super maniable. Chacun sa vision des choses. Oh, c'est une brique. Oh, c'est bugué. C'est dans le camion. Chier. Et hop là. Toi aussi, viens dans le camion. Ah, on est immortel en fait. Je suis rentré dans le camion parce qu'on est immortel. Bref, là-dedans c'est très utile. Par exemple, pour les gros clans, quand ils ont fait leur tank ou leur véhicule blindé, ils les mettent dans le camion. Je crois que je peux pas descendre. Alors, le tank, ça dépend de la taille. Hein. Je crois que tu peux mettre de tank sur un camion. Non, tu peux pas mettre de gros tanks. Mais c'est bon, j'ai réussi. Ouais. Les petits véhicules, tu peux. Tous les petits véhicules, tu peux mettre dedans. Mais genre, un autre camion, tu pourras pas. Ouais. Faut pas chercher. Tu peux l'empaqueter. Tu peux le tracter. Tu peux l'empaqueter pour le déplacer avec une grue. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est pour les camions bâchés et les camions blancs, je pense. Le camion là, je pense pas. Je me souviens plus si on peut impacter. Bon, et après, la logique, c'est qu'on récolte des trucs, c'est ça? Oh, ben, c'est pas que ça, mais oui, c'est en partie la logique, on récolte des trucs. Donc, viens, on va continuer, il y a d'autres véhicules. Tu craques. Il y a plein de trucs à découvrir. Parce que la logique, en fait, c'est complet. C'est vraiment, c'est quand tu joues au camion et quand tu joues en logique, c'est deux mondes différents.
Donc là, comment? Dans les crates là, c'est sur les côtés, dans les boîtes, tu as des chemises. Et les chemises, ils sont communément appelées shirts, tout simplement. Parce que c'est le serveur anglais. C'est super. Et ben, c'est. Bien ça te permet de te raise, tout simplement. Une chemise, c'est une vie. Sans chemise, tu peux pas te raise. Et s'il y a plus de chemise dans un bunker ou n'importe quoi où tu peux raise, ouais, et ben tu peux pas raise dans cet endroit. Donc c'est les supplies en gros. On appelle ça souvent les supplies. Et tu peux raise dans ce genre de choses, les encampements, les bunkers. De toute façon, t'as un peu fait du corps à corps, t'as un peu joué. Tu vois à peu près dans quoi on peut raise. T'as des tranchées aussi, donc l'entraînement de tranchées est pas là. Je crois que ce serait par hasard revenu dans le. Les gars, je vais vous quitter. Ouais, j'y vais. Ouais, il faut qu'on aille se battre là, histoire de terminer la guerre en beauté. Bah, t'inquiète, mec, ça fait une semaine qu'on est sur le point de la perdre. Ouais. Et vraiment, depuis. En fait, il y a eu une chute décisive d'une zone qui s'appelle Callahan's Gate, où dedans on avait énormément de ressources. Ouais, on est revenu sur le. Sur le training, basic training, on avait énormément de ressources dans cet endroit et on a perdu la zone parce qu'ils ont eu les blindés avant nous et on s'est fait wipe. Il y a pas moyen de quitter le serveur et tout. Non, en fait, on peut pas recommencer une guerre, c'est les devs qui relancent les guerres. Tiens, à la droite, on peut passer sans s'allonger. C'est les devs qui relancent les guerres en fait et tu peux relancer une guerre que quand la précédente est perdue ou gagnée. Putain, c'est relou. Allongé. En face. Le barbelé, en face. Quand tu passes dans la maison le là. Barbelé, tu verras que tu seras ralenti, mais. Je prends ma mitraillette si tu veux. J'ai crevé. En véhicule, t'es pas ralenti quand tu passes dans du barbelé, donc c'est important à savoir. En tout cas en camion. Mais quand t'es à pied et que par pur hasard, genre tu te balades dans ton camp et tu marches mais genre un millimètre dans le barbelé, t'es fini. Bien tu dépatouilles pendant 30 secondes là, de temps. Il n'y a rien à faire jusqu'à la prochaine. Nous dire, si ouais, nous... là en fait gauche, on a perdu. On peut continuer de faire chier le monde en mode bon français, genre révolutionnaire jusqu'au bout. On peut aussi attendre la fin. En face c'est pas du Bosch. Non mais t'inquiète. Si tu veux, je connais un peu les inspirations des costumes. Nous, l'inspiration de costumes, c'est début Première Guerre mondiale, équipement français. Et chez eux, ils ont de l'anglais et de l'américain. Oh là, c'est les Français contre les contre gros, le beef. C'est en gros au niveau de tout ce qui est armes, équipement, etc. C'est français-allemand versus anglais-américain. Oh là là, j'aime cette combinaison. Ouais. La plus belle combinaison français-allemand. Vas-y, il est où le point de deploy là? Il faut sortir du lieu, t'inquiète, je t'emmène. Hop, on va sortir de là. Oui, regarde, barbelé, c'est la merde. Donc souvent, c'est très très utile pour faire sauter le barbelé, mammouth. Tu fais sauter à la mammouth. Une petite bombe et puis hop, c'est bon, t'as plus rien. Là, dans la map. En fait, il faut aller tout en haut là, c'est là où il y a les trucs. Ouais, viens. Attends, merde. Faut aller au nord en fait. Faut aller au nord par là. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on peut faire le tour par ici? Nord par là. Est-ce qu'on a besoin de. Ouais, il faut qu'on fasse de la marche arrière. Et qu'on aille au nord, qu'on passe la flotte. En haut des bâtiments? Ça prendra vite à reconnaître aussi les clans. Donc dans les gros clans qui sont utiles de connaître, c'est le 11e régiment, 12e régiment, qui sont le même clan, sauf qu'il y en a un, il est sur le serveur 1, l'autre est sur le serveur 2. T'as le CRG, qui est un clan colon. T'as le FRG, qui est un gros clan Warden sur le serveur 2. T'as le TDA aussi, qui est un gros clan serveur 2. C'est des mecs avec qui souvent tu vas avoir ça dans leur pseudo sur une game. Mais ne pas avoir un truc à côté de ton pseudo, ça veut pas dire que t'es pas dans un clan, hein, regarde-moi ou toi. On a rien, et pourtant on est tous deux dans un clan. Alors, on dirait les trois deploy
Tu es déjà arrivé? Infanterie à gauche. Ah, merci, je suis en train de avancer à 2 à l'heure. Du coup, je peux pas me TP, attends, pourquoi? Niveau du canon, on est automatique. Faut que tu... faut... En fait, faut que tu aies marqué en bas à gauche, presse E to deploy. Du moment où t'as marqué presse E to deploy. Ah oui, t'as aussi des bateaux dans le jeu. C'est le zoo, la home base. Oh, derrière nous, derrière nous. T'as une indienne de mecs accroupis qui passe en claquant des mèmes. Il y a que des trucs avec 20 players en attente. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est la merde. Mais moi je vais laisser le jeu là, je vais jouer à autre chose en attendant ce soir. Ouais, tu peux te... T'inquiète, on fera un petit at everyone au moment où la guerre recommencera. Ok. Yes, 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 yes. Butez-les. Si jamais t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'importe quoi. N'hésite pas à demander à n'importe qui sur le serveur. En tout cas en haut gradé. Et puis les mecs on te répondra. Bon. Y'a des mecs sympas, y'a des mecs moins sympas. Ça prendra vite à le connaître tout le monde. Je faisais une référence à Fab pour ceux qui voulaient pas. Je pense qu'on avait plus ou moins tous compris. C'est quand même fou, y'a deux tanks qui sont venus suicider sur notre cul. Si je joue, mais je suis très très nul. Ah ouais, pardon. Ouais, je l'ai sur... enfin, faut que je le réinstalle, mais je suis tout fibre avec un petit MVME. Ah, il manquait leur poche, c'est trop cool. On a 2000 mégasecondes, je crois. Je peux déco dans 10 minutes. Mais si bon, bah, c'est bien joué. À 10 minutes, je pense pas que je réinstalle les jeux. C'est grâce à la télé, là, sur le compte. Ouais, ouais, ouais. Non mais je, sincèrement j'ai plus la merde à Rocket League. Pour vous aider à charger. Ouais. C'était un pote à moi avec qui je parle même plus. Gaz, c'est quelque chose. Non. Je saigne. Si tu veux, j'ai fait des LAN entre potes où on me surnommait l'électron. De ma capacité à tourner autour de la balle, comme un électron qui tourne autour de l'atome, sans jamais le toucher. Elle peut-être. Il y a déjà vous. Chef, si tu veux, je te fais un partage. N'importe quoi. Quoi? Il y a quoi? Sur le jeu, exactement, c'est n'importe quoi. Attends, je vais me remettre au centre, là où il bouge pas. Attends, je fais un partage du jeu, c'est vraiment la merde. Attends, petit stream. Oh, y'a Bérégil en plus, Sophie! Bérégil? Yo Béré, ça va? Il me répond pas, ce flag. Si tu parles. Bérégil, qui est un mec qui était là à l'origine, qui est un pote à l'Aptech, qui est le créateur du serveur. Créateur du serveur, carrément? Ah, oui, serveur français. Qui a créé le serveur, là où on est. Ah. Je parle pas du serveur du jeu. T'as d'accord, oui, non, je le disais aussi. C'était quoi? Ok, je vais vous mettre les athées dedans. Ok. J'ai pas de canon athée. Tu veux mon zizi? Le Franck Vincent. Ok. Tu veux mon zizi? Oui. Oh, ils mettent un discours Hitler. Ah oui, si je dis pas de conneries aussi, Javelot. Ouais. Quand tu recharges ton arme et que t'as encore des munitions dans ton arme. Le Seigne, il y a un médic. Le Seigne, il y a un médic. Arrête les munitions qui étaient dans ton arme déjà. Ouais. Comme dans c'est des munitions perdues. Donc, vide toujours à fond tes armes avant de commencer à recharger. Après, il faut que tu puisses recharger dans un moment stratégique, quoi. Ouais.
Ouais, je veux dire, tu t'en fous de perdre des munitions si c'est pour avoir plus qu'une balle et devoir recharger devant les oui. Non mais tu t'en fous de perdre des munitions si tu dois survivre, mais si t'es genre en front posé, en tranchée... Parce que pour l'instant, t'as pas encore connu les fronts posés où vraiment ça bouge pas et ça se tire au gaz dessus et en empêchant les avancées. De qu'est-ce qu'il chante. Putain, c'est la seconde fois que je meurs à cause de saignement. Oh, il met du doom. Tiens, on va les coups qu'on est. C'est n'importe quoi. Il y a un char. Un peu plus loin sur la gauche, il y a un autre char, plus loin sur la gauche. Il y a des gens qui peuvent aider. Voilà. Besoin d'un spotter. Bienvenue dans le clan de jeu. Il y a des gens. Désormais ton pseudo avec un petit GTI à devant. En tank, distance 77 mètres, azimut 328. Et t'as attention, plus loin il y a un char, il me semble. T'inquiète, on fera le même accueil à n'importe qui, te dis pas que t'es privilégié. Non. Non, non, t'es le premier mec qu'on a recruté, donc t'as quand même une petite place au-dessus des autres. T'es pas le premier mec à être rentré sur le serveur parce que c'est Noah, mais t'es le premier mec qu'on a réussi à recruter sans problème. Je vous ai carrément fait de... C'est du gringue, hein. Ouais, mais j'essaye encore. Disait, Noah, t'es où? Mais c'est moi, j'étais en train de courir en mode Noah. En train de le chercher. Bon, dans tous les cas, je peux te dire un peu les plans qu'on a pour la suite, ce qui risque d'être organisé dès la nouvelle guerre. Mmh. On va construire notre base d'opération. Donc en gros, on va construire un petit bunker avec des tourelles, des foxholes, des tranchées, des un peu de tout. Pour protéger le bunker, ça va être un peu notre zone à nous, avec une porte pour rentrer tout ça. On va mener ouais, des opérations, on a plusieurs opérations qui ont déjà été prévues par le général Connard. Ouais, le fameux. Il a déjà prévu quelques petites opérations qu'on pourrait effectuer tranquille, bilou. Des trucs tranquilles pour le début. Donc ce sera du partisan, il y aura du partisan, il y aura du front. Il y aura de la logis, si jamais tu veux découvrir quoi ou quoi, tu vas parler au chef de chaque régiment. Donc, Alki, le colonel Alki, pour tout ce qui est au niveau du front, tu lui demandes si t'as une question, une demande de l'aide, ou si jamais t'arrives sur le jeu, que tu vois qu'il est là, tu lui demandes
Oui, quel front tu pourrais aller pour que vous vous rejoigniez, vous jouiez ensemble, etc. C'est celui qui sera le plus souvent sur le front. Nice, ensuite, nice. Pour du partisan, t'as Berlioz. Donc Berlioz, c'est du partisan, toujours extrêmement chaud pour partir faire du partisan. Bon, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on se fait un peu défoncer la gueule, mais... En début de guerre, il était jamais sur le front, jamais en logis, toujours derrière les lignes ennemies à faire sauter des véhicules. Après, pour la logistique, tu peux venir vers moi ou vers Malronce. Donc Malronce, chef de département aussi, de la logistique. Moi, je suis officier administratif, c'est-à-dire que j'ai un rôle spécial. C'est... Je suis pas un chef de département, mais j'ai le même niveau que. Et donc, Malronce, si t'as besoin de questions en logistique, tu peux aller le voir, il s'y connaît pas mal. Et puis, en construction aussi, ce sera dans la logistique, c'est donc le génie. En construction, tu viens me voir, tu viens voir Malronce, Alki, Berlioz, tout le monde. On un peu n'importe qui. Si t'as une question, tu poses sur le serve, il y a quelqu'un qui va répondre. Ouais, ça c'est les canons en stink. Et puis, quand on aura plus de nouveaux joueurs, on essaiera de mettre en place des formations un peu plus compliquées, un peu plus complètes. Donc, si on fait des formations, tu seras prévenu. Voilà. Donc pour la suite, du programme, c'est on fait un peu ce qu'on veut le temps de la fin de la guerre, et puis dès que la guerre est terminée, on va commencer à construire un QG. Et quand on aura construit notre QG, on va commencer à donner un peu des tâches à qui veut faire quoi. Et puis si t'es actif, tu peux peut-être monter en grade. C'est à toi de voir. Mais on t'oblige pas à être actif. Si tu veux jouer une fois par semaine, tu joues une fois par semaine, on s'en fout. Une fois par mois, tant que tu viens jouer et t'amuser avec nous, c'est au calme. Dans tous les cas, t'auras toujours moi, Chev, Malron, Salki, Berlioz qui seront actifs. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est en invisible, c'est juste. Enfin, si on est déconnecté, c'est juste qu'on est en invisible, t'envoies un message, il y a forcément quelqu'un qui va te répondre. Ok, moi de toute façon, je vais aller me battre. Eh ben t'inquiète, tu vas bien t'entendre avec nos potos Alki et Berlioz qui sont tous les deux des fanas du front et du combat. Mais Berlioz est beaucoup plus partisan que frontalier, donc tu verras. Ouais. Et puis si jamais t'es un peu. Si jamais t'es tout le temps au front, t'auras peut-être le surnom de Kamikaze Frontalier. Kamikaze aux frontières. Qui pourrait être sympa, on a fait des petits rôles comme ça pourrait être drôle. Yes. Et après, j'ai pas l'intention d'aller me suicider au front, hein. Mais t'inquiète, on appelle ça kamikaze parce que tout simplement, les mecs qui foncent dans le front, ce sont des kamikazes de base. on a mis des trucs. Il a raison, parce que, bon, vu le nombre de balles qui défilent et le nombre de gaz qu'il y a aussi. Je te stream mon verre en attendant. Et aussi, je t'explique, ne demande pas les masques à gaz tant qu'on les a pas. Parce que, comment ? Comment ? Dans in-game. Il y a du gaz, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et il y a des masques à gaz. Putain, je me suis pété la grenade à la gueule. Eux, les masques à gaz, ils arrivent assez loin, Il faut déjà être dans une guerre à moitié avancée à peu près. Pour pouvoir commencer à utiliser du masque à gaz. Et ce qu'on avait comme problème à la logis au début, parce que moi j'étais très très logis au début de la guerre. Putain, et je saigne encore. Des masques à gaz, mais moi je pensais... Médic, je saigne. Merci. Le début du front, ça va se résumer à lequel de premier camp en premier les gaz. Je crois qu'elles sont déjà de base. En tout cas, elles sont pas de base récupérées. Et lequel des deux camps en premier les masques à gaz. Parce que tu vas voir que le gaz, ça va être horrible. J'ai déjà été au front avec le gaz, c'est là. Parce que en gros, si il gaz, tu peux plus avancer tout simplement. Aucun des deux côtés peut avancer et c'est une guerre de position. C'est la drôle de guerre, c'est personne se tape dessus, on attend juste que le gaz passe. Ça fait comme les mecs au début de la game qui se suicidaient comme des lemmings dans le gaz. Besoin de médic s'il y a quelqu'un d'autre. Je parle d'expérience, c'était affligeant. T'arrivais en logis, tu ramenais 40 soldats supply pour permettre de raise les mecs au front et les gars ils se suicidaient dans le gaz comme des lemmings. C'était horrible. C'était 30 minutes à farmer, enfin juste à construire tes trucs. Tu arrivais au front en un quart d'heure, tu poses tes trucs, t'es en mode ouais merci c'est super sympa. Et puis tu vois les mecs qui foncent comme des débilos dans le gaz et qui se suicident. T'es en mode les 40 ressources. Il y en a aussi un à l'ouest de la maison. Du coup c'est la guerre du gaz quoi.
Ouais, le début c'est la guerre du gaz, dès qu'il y a des masques à gaz, les gens commencent à moins utiliser le gaz. Du coup tu les farmes, ça met du temps à farmer? C'est... Au niveau logis, on met 3 à 4 jours pour farmer, depuis le début de la guerre on met 3 à 4 jours pour farmer le gaz, mais c'est ce qu'on a fait sur cette guerre là. Et je pense que ça va être moins long sur la prochaine, puisque les gens ont commencé à comprendre un peu comment fonctionnaient les systèmes, et t'as du vétéran qui est venu aussi sur le serveur 2. Puisque le serveur 2 a été ouvert suite à la grosse hype de tous les Français qui se sont ramenés. Ah, ce JDG. Il va réussir à louper son tir. Ça va. Il remonte ce con. Il remonte, attention, il remonte. Attention, j'arrête de parler, je te regarde. Non, mais... Je suis pas focus, quoi. C'est vrai que j'ai fait des erreurs. Hein. Des erreurs. Bon, il est pas bon. Il est pas très bon non plus, en fait. Non, j'aurais dû cadrer ça. Ouais, tu vois, je connais les termes, je connais les techniques, je connais un peu tout ce qui se passe, je comprends ce qui se passe, mais sauf que je suis très très nul. Ouais, ça passe pas, mon grand, ça. Pas déçu. Oh là là, 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 là. J'ai pas de chance hein, sur cette action. Ah, ça c'est triste, ça c'est triste. Je l'ai vu cadrer, mais. Parce que je suis très très mauvais. Il avait été peut-être cadré au premier. Je sais pas, il fait comme moi. Là, qu'est-ce qu'il fait. T'es parti en casu aussi. Enfin, non, je crois que le casu de base aussi, il est réglé avec le classé. Il y en a deux en face. 30 mètres en face de notre côte, ils arrivent vers nous. En face. Par contre, ça. Okay. Parce que comment mardi, là, mardi dernier, j'ai regardé Popcorn de Domingo sur Twitch. Et t'as Zach Nani qui dit ouais, j'ai commencé un peu à jouer à Rocket League. Ouais, ça fait une semaine que je joue, je suis déjà hors 3, je fais. LOL. T'es rien hors 3 hein. Mais oui, mais moi j'ai même pas ce niveau là, ça fait j'ai au moins 50 heures de jeu. T'es pas hors 3 Non, j'ai pas du tout le niveau de hors 3. Et pour te dire, je touche pas la balle. On a reçu des bons là. Ah oui, d'accord. Non, moi je suis platine 3 diamant 1, quoi. J'avais des potes qui étaient grands. Funny, fans. Parce que je lui ai mis un petit bump. Je fais un pas aimé. Après, il est mauvais à l'engagement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'engagement, bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ça doit faire plus d'un an. Mais l'engagement, j'étais plutôt bon. Le pire coupe de l'année, quoi. Ah. Ok dude, bon comment il va me rendre la balle cette fois? Comme ça. Tentez de dribbler. Putain, mais il y a tellement de chars, et on les repousse avec rien. Elle rentre pas? What? Elle rentre pas, elle a roulé sur le... Ah sur mais le... il joue le bump depuis tout à l'heure. Et il joue la démo. Eh ben non. Celle-là elle rentre pas mais... Vas-y, il va tenter comme Worlds. Le dribble comme Worlds 2017. Mais ça passe pas. Désolé mon poteau, t'es perdu. Les Worlds 2017 où t'as le mec qui l'a fait tout le terrain en aérienne et qui l'a ramené dans les cages et qui l'a mis pour égaliser. Oh mais tu sais je tape quand même 2-3. Non mais déjà là ce que t'es en train de faire, tu vois, je serais pas capable de le faire. Garder la balle sur ma voiture. Même si t'as une Fennec, je sais pas si c'est plus simple de faire ça avec une Fennec. Non, c'est pas forcément plus simple. Par rapport à la Xbox, si je dis pas de conneries. Ouais, ça fait super bon pour faire ça. Ça, tu tapes pas, ça, même un petit auteur. C'est trop longtemps que j'ai pas joué, et puis quand je jouais, déjà j'étais nul. Alors, après. J'ai quand même réussi le niveau 2 de l'entraînement aérien. Plate, plate 3, bon, je suis descendu en fin de saison, forcément je me suis charnu. Mais... Putain la vache, là où je suis, je tiens avec rien quoi. Je fais du duel. Histoire de me détendre ce soir. Tu te détends sur du duel. C'est vrai qu'un jour, quand je faisais du duel en casu,
suis tombé sur un russe, il était super sympa. En fait, je préfère m'en prendre à moi-même quand je perds, tu vois, de me dire j'ai fait des erreurs, l'autre il a mieux joué en disant t'acceptes d'être bump et d'être destroy, tu vois. Ouais. Ça fait partie du jeu. Que de tomber avec un mec qui pue la merde et tu vois, tu passes une sale game parce que juste le mec il est pas capable de lâcher le ballon quand il l'a pas et de se replacer. Mmh. Ouais, y a rien de pire que jouer avec un mec qui joue contre toi. Ouais, de jouer en 3v1. Par contre. J'étais pas sûr de son engagement au gars en face. Il a tourné un coup là. Et là il fait n'importe quoi, je crois. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si tu vas prendre le boost, je vais attendre de voir. Oh, bah, ça... oh merde. Oh non, quel dommage. J'étais tellement surpris. Ah, je lui avais mis une vraie pépite. Hein. Bon, là, oh. Ça va nulle part. Parce que si tu viens sur le côté, mec, faut pas que tu sois derrière la balle, hein. Faut que tu sois devant les cages. Ça sert pas à grand chose. Oh là là, tu lui fais un petit cadeau s'il passait devant toi. Tout petit peu j'ai mieux pas placé. De lui rendre. Putain, mal. Ah, quel dommage. Avec le coin de la voiture, avec le coin de la voiture, et c'était touché. Et la balle qui revient sur le centre, le corner. Corner bleu. Pour l'instant, les deux adversaires se regardent. La balle qui retourne au centre bleu. L'équipe orange qui redescend vers la défense pour récupérer du boost. L'équipe bleue qui tente de dribbler mais qui rate lamentablement. Le wall de la part de l'équipe orange qui avance, qui la centre en aérial et qui la rate. Quel il dommage. J'ai cru qu'il la prenait. Ouais, j'ai vu que le mec il bougeait pas. Je voulais son boost. Celui-là aussi. Les boosts qui ont été récupérés. L'attaque bleue qui va être compliquée désormais. La balle qui revient sur le joueur bleu mais qui est bien dégagée par le joueur orange. Qui la ramène sur le centre et qui marque. Par une magnifique aérienne. Après un petit bump. Ils ne passeront pas. Et paf. Sur le coin de la voiture qui rentre pile poil dans la lucarne en haut à gauche des cages. L'engagement qui est mené par l'équipe orange. Il met la balle dans le corner. L'équipe bleue qui retourne dans les cages par réflexe de défense. Si on ratait, quel dommage. Un tout petit peu trop tôt. Mais très très bien ride de la part de l'équipe orange. Il a fait passer sur le ceiling. Oh là là, qui la donne en cadeau. Le j'ai pas cadeau réussi à lâcher le ceiling là, je me suis inversé dans les contrôles. Le cadeau de la part c'est de dur, l'équipe ça, orange. C'est dur ça, tu sais, de la détacher là, je voulais juste la rebump, tu sais, dans l'axe. Ouais, de la bump pour passer derrière le joueur. Mais je voulais viser les cages adverses là, tu vois, je voulais passer. Oui, t'inquiète, j'ai compris immédiatement. Trop greedy quoi. Aïe aïe aïe, l'équipe orange qui récupère le ballon sur cet engagement. Un engagement plutôt mitigé pour les deux équipes. Ah, je loupe le boost. La balle avec non, le boost loupé 3 hey fois par les deux équipes. Voilà, c'est un les cages sont en open. Je et mérite le petit tir. J'ai fait n'importe quoi. Le petit tir de la part de l'équipe bleue qui a profité des erreurs de l'équipe orange. Pour l'instant, l'équipe bleue mène 2 à 1, mais tout peut se renverser. Nous sommes à 2 minutes 30 de jeu. La balle qui est convenablement contrôlée par l'équipe orange, qui la remet vers l'autre corner, qui retourne en arrière récupérer les boosts, qui retourne en attaque pour une contre-attaque. L'équipe bleue qui réagit correctement, qui regarde comment le jeu se développe. Ouais, je pense qu'il y a deux fois qu'il a tente des dégagements sur les offensives de l'équipe orange. Aïe aïe aïe. La tape qui a été ratée, qui aurait pu être cadrée celle-ci. Et la balle cadrée de la part de l'équipe bleue qui continue de mener au score après deux minutes. Il joue avec mes nerfs en plus parce qu'il est vraiment très passif quoi. Après, ouais. Il a très peu de contrôle de balle. Un style de jeu très passif de la part de l'équipe bleue qui tente une double tap mais qui a totalement raté. Quel dommage. Un tout petit peu plus de boost et ça serait sans doute passé. La balle qui rentre, qui est bien dégagée de la part de l'équipe bleue qui la renvoie sur le corner. Qui reste devant ses cages pour protéger. Et qui protège correctement la balle au centre.
Le boost ayant déjà été pré-récupéré par l'équipe orange. Nous pouvons... La balle qui retombe vers le centre. Une offensive. Une offensive de la part de l'orange sur un open net. Sur un open net qui... Il la met finalement. De la balle. Il la met finalement. On aurait eu très très peur. La freiner, t'sais. Ah on aurait eu très très peur du bump en arrière de la part de l'équipe bleue. L'engagement en faveur de l'équipe orange. Le kick-off qui est bien réussi cette fois-ci avec un open net. Et c'est rentré pour une égalisation 5 secondes après le précédent but. On voit que l'équipe orange commence à reprendre du poil de la bête. Tous les boosts ont été récupérés du côté orange et du côté bleu. Et la balle qui est restée sur la ligne au centre. La balle en corner avec l'open net. Et la balle qui revient. Mais où est donc l'équipe bleue bleu. Où est le joueur bleu? Salut. Parti pour récupérer du boost, mais il a pas compris que c'était en open net et qu'il était en 1v1. Je peux faire ça en 3v3 ou en 2v2, mon gars, si t'as un défenseur derrière. C'est tranquille, mais là c'est compliqué. La balle dans le corner avec un kick-off en défaveur de l'équipe orange. La balle qui revient sur le centre, heureusement, le joueur bleu n'ayant pas de boost, il n'a pas pu profiter de son avantage. Orange qui continue de défendre ses cages avec aucune balle qui passe et aucune balle dangereuse. Le bleu qui continue de jongler au-dessus du orange en s'amusant comme un enfant. Et le orange qui dégage correctement cette balle, qui la renvoie dans le corner bleu. Une contre-attaque est-elle possible? Une contre-attaque est totalement possible. Dommage, le boost n'ayant pas... Bien de tank. Derrière le tank. Derrière le tank. Et l'open net qui l'a fait rentrer à la dernière seconde, mais c'est incroyable. Derrière le tank. Incroyable. Derrière le tank. Et la victoire revient au orange. Et le bleu qui râle du lag, bien sûr. L'excuse du lag. Après, il peut avoir lagué, hein. Son ping est de 64-65. Ah, il met la revanche. Tu peux laguer sur du 64-65. Aucune revanche sur une carte plutôt jolie. Dans le style futur cyberpunk son. Je coupe toujours le son des lives. Non mais y a pas de son. Ah t'as coupé le son du jeu. Ah je coupe la musique mec, c'est pas possible. Pas assez joueurs pour commencer la partie. Ah. Le bleu qui avait demandé la revanche mais qui a. Qui a rage quit. Ah. Ça y est, retrouver un adversaire. Joueur carré. Un joueur qui est en mode « Oui, je suis un hacker. » Ok, le kick-off en faveur de l'équipe orange. Mais récupéré très correctement par l'équipe orange elle-même. Qui a réussi à mettre la balle devant ses cages sur un quasi-open net. Mais l'équipe bleue n'a pas récupéré cette occasion. Pour l'instant, ça se jauge des deux côtés des deux équipes. Enfin, des deux côtés, ça se jauge. La balle qui arrive sur le centre, repoussée correctement par l'équipe orange. Décalée en corner bleu. Bien dribblé de la part du bleu au-dessus du boost du corner. La balle qui retourne en corner après avoir une récupération de tous les boosts par l'équipe orange. Le bleu qui aura du mal à défendre celle-ci, surtout en aérienne, mais c'est tranquille, car le orange avait raté son aérienne. Du B-match, le chevalier. Tenter un fait. Non, j'en ai pas. Il recommence, mais la recentre. Le orange qui tente un contrôle de balle. Il tente des aériennes, mais qui tente, c'est du casu. Magnifique arrêt. Et dégagement de la part de l'équipe bleue.
qui renvoie cette balle en corner orange. Benoît a ramené le 68 jusqu'au temps, s'il vous plaît. Un joueur orange qui est déjà revenu et qui réussit à bien défendre cette balle. Je vais dire cette cartouche, n'importe quoi. La balle qui est donc repoussée en corner bleu, qui est renvoyée vers le centre puisque l'orange ne continue pas l'offensive, et la balle qui est cadrée qui rentre pour l'équipe bleue, mais 1 à 0 à 1 minute 50 de jeu. Tire. Avec il allait chercher le boost, j'ai fait wop hop hop, allez, ça c'est dit direct. Avec un magnifique tir cadré sur une erreur de la part du orange. Donc le kick-off, c'est parti. Kick-off en faveur du bleu. Sur un quasi open net. Ah merde. Mais le tir raté. L'équipe orange en profite pour tenter une contre-offensive, mais le bleu a réussi à correctement dribbler cette balle, mais le orange a bien réussi à défendre son erreur. L'équipe bleue qui reste dans la défense avec l'orange qui tente une aérienne. L'équipe bleue qui réussit correctement un bel arrêt aérien. Son troisième arrêt déjà depuis le début de la partie et qui, sur une contre-attaque, met un magnifique but. Putain, la vache sur Foxo, là, vient de faire une belle contre-offensive. Dans le trou de souris. Exactement, dans le petit trou de souris après le magnifique, la magnifique contre-offensive. L'équipe orange qui tente un kick-off mais perd encore le kick-off. L'équipe bleue qui a un open net avec un kick-off quasiment parfait. I have a smoke grenade on me. Do you use it? Non, wait for him to get close, and then you rush it. Ah là, et la petite retouche okay. Pour montrer about it. La mini-taunt sur l'adversaire pour lui dire que j'ai quand même touché la balle derrière, c'est pas toi qui l'as mis. Ah, he ran away. Pick-off encore en faveur du bleu, mais le orange cette fois-ci, mais qui va encore chercher du boost. Grave erreur qui n'a pas été reprise. L'équipe bleue qui a eu quelques petites sueurs froides. Ouais, je suis pas passé loin ici là, j'ai voulu le replonger dedans, tu sais. Avec un petit faux mouvement, mais l'équipe orange qui. Le joueur orange qui comprend pas que quand il faut défendre quitte à ne pas avoir de boost. Parce que l'aérial est compliqué du côté bleu aussi, parce que si t'as pas de boost en face, il n'en a pas beaucoup non plus, hein, en début de game en tout cas. Donc, en tout cas, le kick-off en faveur de l'équipe bleue, mais bien repoussé par l'équipe orange qui ramène la balle sur le corner, permettant un dégagement et un open net. Mais incroyable, récupéré par le joueur orange qui a réussi à rattraper un peu son erreur de laisser ses cages grandes ouvertes. Mais bien sûr, on peut pas rattraper ça à tous les coups. Je l'ai remis dans l'autre sens, quoi. Allez, salut! Le joueur orange qui s'amuse à faire des allers-retours entre et c'est le rage kit! Et la gauche du terrain, puis le rage kit de la part de l'équipe orange qui n'a pas supporté la défaite 5 à 0. Bon, je dois m'arrêter là, moi. Il a même pas fait un seul arrêt en plus, c'est triste. Tout à l'heure, là, son arrêt était magnifique en plus. Tu t'arrêtes là, chèvre? Ouais.